Romain Marina, vous participez à la fête de la science qui se déroule au lycée Théophile Gautier durant toute cette semaine. Quel genre d'expérience vous proposez? Déjà, on présente un certain nombre d'expériences de chimie, principalement. Ça va de... on essaie de représenter des expériences qui font, par exemple, de la neige, mais sans neige, sans eau, sans rien. Et c'est avec des moyens chimiques. On peut représenter du coca, c'est du faux, bien sûr. Après, on fait une éruption de mousse, c'est ça? Oui, voilà, c'est de la mousse expansive. Donc, en fait, on essaie de faire des expériences ludiques pour intéresser le plus grand nombre à la science et sans que ce soit ennuyeux. Donc, oui, donc il y a le coca, c'est très ludique. Et on explique les bases, on explique simplement ce qui se passe, pour que tout le monde puisse comprendre. On a aussi des ateliers de maths et de physique. Donc en maths, on a des démonstrations de Rubik's Cube, des tours de Hanoï, c'est un casse-tête. Et d'autres casse-têtes. Voilà, on a plein de casse-têtes. Enfin, c'est toujours sous forme de jeu. Et on a aussi des en physique. En physique, oui. On a l'oiseau buveur. C'est pour expliquer la pression saturante avec les différences de pression et de température, mais avec un petit oiseau qui boit dans un verre. Voilà. Et qui s'arrête normalement jamais. Dans les meilleures conditions, il s'arrête jamais. Voilà. Ces expériences sont ouvertes aux autres lycéens. Comment ils accueillent ces petites expériences que vous leur proposez? Comment ça se passe? Ils sont curieux? Ouais, vachement. Oui, curieux, vraiment. Ils posent beaucoup de questions. Ouais. Ils ont les yeux grands ouverts, parce que la chimie, depuis qu'on est tout petit, ça, on dirait que c'est magique. Et là, on leur montre que ça peut l'être un peu. Parce qu'ils ne nous croisent jamais, on est toujours dans les salles, donc ils sont contents de voir des expériences. Alors justement, vous êtes en classe prépa ici au lycée Théophile Gautier. C'est quoi une classe prépa? À quoi ça sert? Ça sert de se préparer pendant 2 ans pour intégrer un concours, pour entrer dans une école d'ingénieur après. Et donc on se prépare dans la note surtout à la physique, la chimie et les maths. Mmh. Et, ouais. Et après, on a des langues, on a du français à côté. On n'en a pas beaucoup. On se concentre principalement sur la physique, la chimie et les maths. On a 4 heures de TP par semaine, une semaine physique et une semaine chimie. C'est ça. Et après, c'est tous les samedis matin, on a des contrôles. Donc la semaine, elle est plus longue que tout le monde.